Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Nous sommes le jeudi 10 novembre. Donc c'est l'heure de la mise à jour et comme certains se plaignent que les mises à jour ne sortent pas à jour, soi-disant que j'ai 10 jours d'avance de vidéo, je vous prouve que non. Pour une fois, je vais la sortir à jour, c'est-à-dire que je vais devoir quand même tourner 3 vidéos derrière. Simplement parce que si je veux avoir mon week-end et avoir un début de semaine un peu plus tranquille, eh bien il le faut. Donc là en fait je vais tourner samedi, enfin non je vais tourner 2 vidéos, samedi et dimanche, voilà. Donc voilà, comment ça va se passer. Donc cette mise à jour incorpore une nouvelle map qu'on va prendre avec le T-Rex ou le dragon. Le dragon, tiens, pour changer on va prendre le dragon. Hop. J'imagine qu'on n'a pas de moyen de savoir dans quelle map on va. C'est une map de Battle Arena, du coup on va y aller. On va essayer de la faire tomber. J'espère qu'on va tomber dessus assez rapidement. Oh là là. Il manquerait plus que ça. Sinon, je vais faire des ellipses, chers amis. Écoutez tout simplement, hein, puis on verra le moment venu. Enfin bon, si c'est pas trop long. Je vais quand même aller vite fait regarder un truc sur... sur Steam. Crac. Explique-moi, Steam. Battle Arena, d'accord. D'accord. Bon, on est dedans, hein, de toute façon. Hop. Allons-y. Et c'est pas la bonne map. Écoutez, je vous retrouve tout de suite jusqu'à avoir la bonne, hein, simplement. Voilà, re, chers amis, on est enfin tombé sur la nouvelle map. Donc, la voici. Alors, le nom de la map en question. Le nom de la map en question, je ne l'ai plus. Vanguard's End. Voilà, c'est ça. Je savais que c'était Vanguard quelque chose, je ne me rappelle plus la suite. Donc voilà, je vérifie que le tournage tourne bien, ça tourne bien, c'est parfait. Je peux voir le jeu, mais merci, voilà. Faut que je pense à placer les bons... Alors, j'ai pas repris. J'ai pas repris le dragon parce qu'on s'est fait rect la dernière fois. Bon, il y a eu quelques livers, hein. Mais on s'est quand même fait rect. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y a eu 2 livers dans une équipe de 4. De 3, pardon. Je crois que c'était 2-3. Et en face, il y avait d'autres gens de la même équipe. Enfin, du même clan. Grosso modo, il y en a qui allaient devant leurs alliés, enfin, devant leurs copains, et qui se laissaient mourir. Alors, il s'est passé un truc, il y a eu un point ici, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement ici? Alors, ce qui est cool, c'est que je sais pas du tout où sont les tours. Ah bah tiens, revoilà celui avec qui j'étais juste avant. Hop. Bah encore, en fait c'est l'équipe de ceux contre qui j'étais. Précisément. Hop. Eh non, il est ardu ce point, eh. Mais laissez-moi le shred. Hop, voilà. Hop. Maintenant, hop, je heal des gens. Ah bah non, je vais pas healer qui que ce soit parce que de toute façon, je suis mort. Veux-tu bien être rect, s'il te plaît? Merci. On a seulement qu'un seul point, hein. Je veux pas dire les mecs, hein, mais... Ce serait bien d'aller choper les deux autres tours. Hein. Putain, c'est marrant, elle est gigantesque cette map, on a l'impression, parce qu'en fait les mobs sont tout petits. Enfin, les robots sont tout petits. Ah merde. Désolé. Ah merde, il m'a eu. Ah. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Bla, non. Bon. Hop. Bon, je joue le scoring, monsieur. Non, mais bon. Donc, nouvelle map qui a l'air assez gigantesque, hein, d'ailleurs. Hein, faut l'admettre.
Le problème, vous voyez, c'est que les textures sont tellement unicolores qu'il y en a en fait techniquement presque pas. C'est dommage. Alors au sol, par contre, la texture est en HD, j'ai l'impression, donc c'est cool. Il y a un petit peu de relief avec les... Mais bon, c'est exactement la même texture qu'avant, j'ai l'impression. Où est-ce que je spawn? Alors du coup, j'ai un point là-bas, un point à gauche. Hop, pardon, excusez-moi, je vais avoir le OK. En tout cas, j'aimerais l'éviter. Elle est rigolote, cette map. Faisons peur à nos ennemis pendant que nos alliés prennent la tour. Elle a l'air peut-être même un peu plus technique qu'avant. Hop, nous avons deux tours sur trois. Hop, pardon, est-ce que je peux me... Hop. Il est constant heal, donc ça ne sert à rien. Le bouclier ennemi a été désactivé, c'est cool. Oula. What? Pourquoi moi? Je lui sers à quoi? En tant que cible? Je vous sers à quoi en tant que cible? Ah oui, non, c'est vrai, on a déjà chopé la tour en face. Ok. Ça passe son petit bot, lui. C'est rigolo. ok, le double shotgun avec un sprint, ça a l'air de bien marcher en tout cas. C'est cool. Je vais peut-être refaire un robot, chers amis. Je vais peut-être refaire un robot. On verra bien. Hop, on y va. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Je sais pas encore trop si je vais en faire un avec du cosmétique ou pas. Vous voyez, celui-là par contre il est un petit peu lent. Ça vaudrait presque le coup, c'est ce que j'avais dit, ça vaudrait presque le coup de le racheter et de lui rajouter des sprints pour voir si ça vaut le coup ou pas. Je ne suis pas encore tout à fait sûr, à vrai dire. Hein, parce qu'elles sont déjà beaucoup. Vous voyez que c'est déjà ce qui reste en dernier un petit peu les legs. Et du coup, bah oui. Enfin non même pas, regarde, là c'était plus le corps qui restait. Hop. Voilà. Merci les filles. Oula. Sauter, c'est pas la meilleure des idées que j'ai eues. Hop. Fini. Merde, il s'est barré avant. Je vais aller aider mon copain là-bas qui est... Vous voyez, elle est bien faite parce que je sais pas du tout où aller. Hop. GG. On va aller récupérer la tour. Ok, bon. Eh ben elle est bien cette map. Elle est beaucoup plus dynamique. Elle a beau être plus grande, vous voyez que la zone de combat en fait, c'est intelligent. Je trouve que c'est un choix intelligent cette map. Voilà, bien joué Free Jam, là vous m'avez convaincu en deux mots. Là pour le coup, la map est vraiment bien parce que vous voyez, tout est concentré un petit peu sur un triple point. Donc on retrouve du plaisir à avoir des combats, j'ai presque envie de dire en close quarter. Par contre, si tu te mets devant, je crois que je fais pas de dégâts, effectivement. Hop là. Ok. Attendre que ça recharge un petit coup. Aïe, je crois que je me suis fait toucher par un truc. Hop. Je me fais rect par un truc. Ah ouais, je me suis fait rect, hein. Il y a un truc qui m'a focus, c'est lui, d'accord. C'est ces deux-là même, peut-être, sans doute. Ok. Bah voyez, elle est vraiment bien cette map. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faudrait qu'ils en fassent plus. Parce que celle-ci, elle est vraiment, vraiment bien agencée. C'est-à-dire que tout est situé sur un point extrêmement ouvert, ce qui donne un combat extrêmement, extrêmement dense, extrêmement compact. Il faut vraiment être groupé pour y arriver. Et vous voyez que là, ça passe super bien.
Et je sais que si j'avais pas le groupe à côté de moi là, il y a de grandes chances que je perdrais. Parce que l'unité du groupe, oui, le côté très uni, fait qu'on a une chance de gagner. Par contre, là, on est en train de perdre les tours, vous voyez. Alors qu'on est à leur spawn, ils savent qu'ils peuvent prendre le temps de prendre les tours parce que. Voilà. What? Ok. 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 Par contre, se faire spawn kill, ça va clairement pas être ma fête, hein. Même si nos alliés commencent à rect un peu leur spawn. Ah bah ils ont abandonné, je pense. Ok. Bon bah GG alors, hein, GG à eux. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en TDM, comme d'habitude. Mais c'est vrai que la map est bien. Putain, 12 000 de dégâts, le mec. Pas 12 000 de points, 15 kills, 0 mort. C'est ce qu'on appelle jouer en groupe, j'imagine. GG à lui, GG à lui. Oh la vache. Hop, génial. Crac. Une boîte gold, qu'est-ce qu'on tombe dedans? Eh ben dis donc, c'est pas terrible. Ok, bon, on va partir avec un autre robot peut-être. Est-ce qu'on peut pas s'acheter un autre robot? Est-ce qu'il y a un autre robot qui pourrait nous plaire? Combat rating. Robot CPU 1500-1175. Rosefall, donc moi ça m'intéresse pas les Rosefall parce que... Parce que d'une, ça n'a pas l'air d'être du Rosefall. Pirate Bay non plus. Ça, clairement, ça doit pas être efficace. L'USS Enterprise. Pff, oh là là. Et c'est en combat rating, ça, bah dis donc. Ça va être efficace, mais bon, j'en ai un petit peu ras-le-bol de ce genre de robot, moi. Chain Killer, ouais. Ouais, bon. Bah, je pense que je vais faire de la construction pendant pas longtemps, dans quelques épisodes, je pense. Peut-être pas cet après-midi, parce que du coup, j'ai plein de vidéos à tourner cet après-midi, mais... Megabot Cosmega. D'accord. C'est stylé, je reconnais. Je reconnais que c'est stylé. J'ai déjà vu, ok. Ah! Ça m'intéresse d'aller voir. Ça m'intéresse. On n'a pas encore trop ce type de combat-là. Ok. Ouh. Oh. Oh, il est joli. Il est joli son sniper. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué sniper aussi. Ça marche dans quel sens ça? D'accord, ça marche dans ce sens là. Non, dans ce sens là. Oh là là, je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Alors, ça marche dans quel sens? Not brittle, but it's specific because of the weapon as soon as the... D'accord. Ah bah moi ça a le mérite d'être honnête, hein. Dès qu'il y a plus d'énergie, il y a plus d'énergie. Voilà. Démerde-toi. Ok. Non. Pas mon genre, visuellement. Quoi? Pourquoi Predator? Ouh. Ouh. Ah, il est en train de bosser sur la Triforce apparemment. Bon. Good for fight all, oui bah écoute, je veux pas te croire. On va pas trouver véritablement ce que je recherche. Il y en avait un qui était rigolo, celui-là, le double shred, mais bon, je sais pas si ça va être véritablement efficace. Je pense que je vais faire de la construction bientôt en tout cas. On va partir en team deathmatch et je pense que je vais faire de la construction assez vite. On verra si oui ou non c'est efficace, cela dit. Hein. Il est possible que ça le soit pas. Ils sont sérieux dans ma rue là? Je sais pas si vous entendez. Ils font quoi? Ils treuillent une bagnole, un camion, un pâté de maison?
C'est un groupe électrogène pour faire marcher un lampadaire. En pleine journée. Vous êtes sérieux les mecs? Bonjour. Felipe! Aïe. Felipe! Non, c'est pas Felipe. Felipe! Felipe. Felipe! 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 Ah, Felipe! Felipe, j'y arrive plus, Felipe! Ah, blah! Ah, copine! Copine, laisse-moi te ville, copine! Copine! Allez, copine! Ah merde, copine, qu'est-ce que tu fais? Allez, copine! Allez, vas-y, copine! J'ai cru voir un copain par là aussi, mais je crois qu'il a, il a été rect aussi. Ah, tant pis. Aïe. Ah bah j'ai plus d'armes du tout à l'avant. Tu peux pas être sérieux! Vous pouvez pas healer plus que ce que je fais en dégâts! J'ai une arme qui fait masse dégâts, mais son heal en fait plus. Ce qui veut dire qu'en fait on peut carry une personne. C'est écœurant. C'est tout bonnement écœurant. Hop. Ah, c'est un peu tard, hein. Allez, reculez, reculez, reculez. Ouais. Hop. Ah, il me saoule l'autre là. Un petit peu de heal, je serais pas contre. Non? Allez. 60%. Hop. Hop. On est à 6-7, c'est serré. Hop. Faut la rester groupée. Hein. Le problème c'est que j'ai pas map mes touches. Non, j'ai pas map mes touches du tout. Hop. Hop. Je voudrais te heal, l'ami, hein. Je suis désolé, mais... Allez. Allez. Hop. Merde, y'a personne. Ah,
Hop. Hop. Casse-toi. Hop. Help. Eh ben j'arrive, hein, laissez-moi le temps. Ah pardon. Hop. Heroes never die. Voilà. Les héros ne meurent jamais. Voilà. Hop. Ah, il c'était une connerie, Marcus. C'était une connerie, Marcus. C'était une connerie, Marcus. C'était une connerie, Marcus. Ils sont trop nombreux. Ah bla. Vas-y, je vais bientôt healer un petit coup, mais je vais faire ce que je pneu, mais... Allez, casse-toi de ma route. Salaud. Où est-ce qu'il est? Hop. On a un copain qui a eu les couilles d'y aller. Il me saoule, ce mec. Désolé, j'étais occupé, excuse-moi. Vous faites pas avoir, vous laissez pas avoir. Hop, merci. Hop. Ouh. Ah, mais me pousse pas, Felipe. Allez, viens. Viens, je t'attends. Oui, je l'ai eu, m'en fous. M'en fous. Ah, merde. Ah, mais mon équipe, elle a été recte, en fait. On est à 17-14, mais mon équipe a été complètement recte. Bon, on y retourne. Bah, je me fais recte. Le pire, c'est que j'ai super soif en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps soif. J'ai absolument tout le temps soif et du coup je... Ah non, mais non, prenez pas tous les... Oui, bah faut qu'on se dépêche, je suis entièrement d'accord avec toi. Bonjour. Hop, un de plus. Mikey. Ah, j'aime pas ceux qui sont ceux qu'on appelle Mickey. Ah mais on n'est pas d'accord sur la même chose à faire, hein, je suis désolé. Hop, vas-y, viens voir papa. Voilà. Ok, on recharge. Ah ! Ah ! Mais t'es bête ! T'es bête ou tu le fais exprès ? Imbécile ! Casse-toi ! Je veux pas mourir ! Ok, on y va à 3. 1, 2, 3, tire! Ok. Dommage, je l'ai pas eu. Bon bah tant pis. Bah dis donc, il y en a qui ont fait masse dégâts. Hein. Felipe, il a fait masse dégâts. Hein. Bon bah voilà qui termine ce premier épisode donc de la journée pour moi. Je vais le copier sur le disque dur du PC portable, le monter, essayer de l'uploader pour la journée. Ce qui va être assez catastrophique en soi. Vu que si je veux pouvoir tourner les autres vidéos, il faut que je puisse avoir l'internet. Si je ne l'ai pas, c'est une catastrophe. Diamant, qu'est-ce qu'on tombe dedans? D'accord. Ok. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir laissé la vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour notre aventure. Salut les gens. Et yo!